US News Group, ñu 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 gënal jàjëf bu baax ba tay ñu amat bi ci contentement téwat ak yeen téwat yeen seen émission biñu duppé Bat Asami té nek ñu dalal bi ni gan bu am solo mu nekk ki nga xamantene moy moy ci turu Monsieur Malick Dione nek le président de l'amicale des élèves étudiants en substance de Ndiagagnam yi fétif ci nga xamantene moy di wol US nek également ak ki nga xamantene moy di sama assistant muy Samba Diouf té nek ñu waxtaan ci en tout cas thème bu am solo moy onu dugg ci walu amical yi donc xam li jafé ñu nga xamanteni ci amical yi yane jafé bu ñu jankon thème mais également nakal ñu gune seen biir ñu nekké en tout cas bi familial yi nek en substitut bala ñu tamay waxtaan nak dañu di bayé wor ñu nuyo ak mo ko def ñu xamanteni ci dal monsieur ñu nek merci djibi salam aleikum mbokk yi ñu xamanteni yéra nek ñu sétal particulièrement étudiants yi parce que amna ni étudiants yi dal ñom lañuy gëna di dugulantel dal wala ma ngi leen di nuyu yeen ñep djibi wax nako sank man Michel Malick Dione la tuddu nek le président de l'amicale des étudiants ressortissant de Ndiagagnaw à l'UBS voilà donc lolu moy sama présentation merci djibi merci djirejé gina fu gëna yo paré également ñu jox Samba Diouf moy sama assistant mom tamit mu nuyu présenté wu Voilà. Merci beaucoup Djibril de nous sous invité, le président, Michel. US News, au moment où il y a une émission baisse, nous n'avons pas de la famille. D'ailleurs, on a l'honneur d'être invité, car notre marque, c'est le président de l'amicale des étudiants de soutien de Ndiagagnaw. Nous l'avons honoré, accepté pour nous, présenter nous à travers une émission sur la reconnaissance de l'amicale. Merci beaucoup. Merci Samba, merci également pour nga xamanté ñoy ñi sédal. Légui d'abord ñu tambalé waxtan bi rek. Michel, yow ya nek le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Ndiagagnaw, nek fi ci diwanu Mbour. Légui ñu bëgon xam d'abord amicale bi kañ la tuddu. D'accord, djibi bon. Amicale du Ndiagagnaw US ya gëna mën na wax ni dal ça débute avec l'US. Si ce n'est pas le cas, je sais que top parce que l'UVS est créé en 2013. Voilà, donc je pense bien qu'avec la première promotion de l'UVS, il y avait des étudiants aussi de Ndiagagnaw. Nous avons maintenant fait un travail amical pour les étudiants recherchants de la commune de Ndiagagnaw, avec l'UVS. Voilà, donc amical viable. Maintenant, on a débuté avec l'UVS. Merci beaucoup. Il a une question pour vous également. Comment vous avez dit que vous avez entré l'amical? Quel est l'objectif, par exemple, c'est l'objectif de faire l'amical? Vous avez dit que vous avez D'accord. Bon, moi, j'ai fait une période où j'ai fait une période. Mais il y a gardé des questions que j'ai pu faire parce que tout est amical. Nek na li nga xamanteni man mi duma wax ni xamna ko mais man na ci joxe ay quelques tontu parce que dund na ko man ni dund na ci ay amical yu bari bu nekul bi ni kesse nek na ci ay amical yu bari yo xamanteni amna fa ay poste de responsabilité voilà donc lu taxone amical bi jog donc de un c'était vraiment ben avoir l'envie de vouloir vraiment rassembler les étudiants de Ndiagagnaw parce que gis nga bo la nekké ay ndaw bokk ben dëkk bi ngeen am bac ñu orienté len ci ben université dafa bax tamit ngeen xamanté yeen ñi nekk ci université bi di jang bokk dëkk ngeen xamné diw mu ngi fi wala diw nekk fi donc ben envie dal de vouloir rassembler tous les fils de Ndiagagnaw qui sont à l'US gën na tax tamit ñu taxawal amical bi ni mais ci kaw lolou tamit donc benen aspect bi moy vraiment des objectifs que l'amical s'était fixé les objectifs notamment pour mëna jël en charge li nga xamanteni moy jafé jafé yu étudiant yi nek di dugg ci université yi donc amical bi dal da ci taxaw te tamit bu ci nekké ba légui wax deug fa yalla ñu ngi def ay effort dal ci côté bobu ñu jappalé étudiant yi ci seen soxla ci seen problème donc mu ngi leen di apporter assistance bu am solo dal
voilà ci biir sa ngay wax nga jafé yi nga xamanteni étudiant yi ñu jangoté mo tax té ji ngeen gën ci yëngutu en tout cas en quelque sorte légui ñu bëggoon xam tamit est-ce que ndax jafé yi nga cité légui ndax yeen am ngeen loyel nga xamanteni yeen nga ci jangonté fi ci biir ci wala dé en tout cas ak yeen sa jafé lo jafé yi bërina té bo xolé ki di université di vraiment problème parce que jafé yi commencé wol ci amical bi mu ngi commencé bu université bi amé donc étudiant nek université donc impérativement on passe à des difficultés voilà ñu ngi wax ay waxu problème mais ñun en tant que étudiant aussi issu d'une commune donc on ne peut pas prendre en charge li nga xamanteni mom moy problème étudiant yépp ci université bi donc on était obligé wa ndaga ñaw ñu organisé wu en amical mëna jëma xol naka lañuy topotowé problème étudiant jaga ñaw yi té ci kaw lool wax na ko sax problème yi bari na parce que vraiment man je me rappelle très bien le 3 juillet 2019 ci lañ ma fal président de l'amical des étudiants ressources de Ndiaganiaw. De ma fi def yakar na ni première année deuxième année ñu fal ma président. Voilà légui ci biir cadre bi légui ginaaw buñ la falé président yow bani yeggé nga am ci bes bob li nga xamanteni buñ la ko falé en quelque sorte c'était une fierté pour moi, c'était aussi un honneur parce que c'est toujours un honneur ñu jël la choisir la ci ay say morom étudiant yu bari ñu nekk fi yow kessa nekk ko fi mais ñu tanal la def ci yow confiance yaakar ci yow aussi da wax def yalla sante yalla ci liñ ma yaakar mën na wax ni buñ fi nekké ba légui ñu ngi jéma apporter ay solution te sank poser nga ma question ci ay problème yi dina ci ñëwaat parce que bo xolé ma nekk na ni ko xamanteni bu may engager ci dara damay fixé wu ay projet damay fixé wu ay objectif yéne sa projet yéne sa objectif voilà effectivement bima fi ñew objectif personnel voilà non des objectifs vraiment pour l'intérêt des étudiants pour l'intérêt étudiant parce que man ci lool lay dox dem na bay wax na man à un moment donné dem bay wax na man lima mën ci yité nit mënumako ci sama yité bop man ci yité nit lima ci investir mënumako ci sama yité bop parce que quitte à ce que sax ma bay sama bop de côté dem gérer nit juste pour son satisfaction légui objectif yi ma fi fixé won bi may ñew bok na ci li nga xamanteni moy comme premier objectif augmentation subvention bo xolé municipalité Ndiaganiaw day jox subvention étudiant ñaaré bo xolé ci année bobu man bu may doora ñew 3 millions dal lañu doon jox comme subvention bo xamanteni dañu kessé ko mom wa UVS dañ ko doon bok ak yenen université yi suñu morom ñu nekk ay UCAT ñi nekk ci Gaissor Institut de Saint-Louis légi dañ ko doon bok 3 millions yi légi da doon progresser parce que avec le maire à l'époque da doon def chaque année mu yoko ci 250,000 si je ne me trompe pas légi ainsi de suite l'année bu ci top 250,000 bu ci top 3,500,000 ainsi de suite légi lool dañ ko doon seddo mais avec aussi l'actuel maire vraiment donc subvention bi bu mu ñëwé avec les dernières élections locales donc maire bi la maire reste docteur Tanisel yokona ko à 7 millions de 3 millions 500 à 7 millions lol mon subvention amical Ndiaganiaw lol nak lañuy sédélé suñu bir ñun différentes universités le président bobu mo la ci sédélé bobu c'est on de no maré savoir nan la dama yeen ak ko en niveau comme il faut se dire ça votre amical est-ce que ça vous satisfait ou bien ça reste en tout cas ça ne nous a jamais satisfait quoi en fait parce que bon xolé compte tenu des différents problèmes que nous avons difficultés parce que ma yadon wax problème ba légui jéxal mon problème xamna dina am occasion limu problème ñu fi am yépp ak jafé yi mais subvention bi ñu par bu yott mënu ñu satisfaire vraiment bo xolé manam ñaata gën jott par ban ki manam yeen ñaata ñu jox ñaata ñu sétina en quelque sorte duma raay ngeen bi mais dama koy wax mu leer parce que c'est pas utile ma raay ko te xamna suma ko waxe tamit mën na am mo apporter ñu quelque chose d'important pour ñu koy xol les bonnes volontés parce que amna yaakaar parce que dina ci ñu waar sax ci point question bonne volonté gaam ñu gis na li kan voilà parce que
yéen ñaar ci loolu waaw ba ñaata étudiant ngeen war a doon doxal ñu war a xolaal également comme ci boo ay manam ñaata étudiant ngeen doon xam nga bu ñuy def partage bi dañuy def liste liste étudiant njaga ñaaw yi lépp dañ koy tëral ñu def aussi liste étudiant université bu nekk ñun fii waa UVS on était ci suñu dernier partage parce que ci chaque partage dañuy recensé bu ñu amee ay promotion bu wees ci suñu dernier partage bi ñu ngi nekkoon 314 étudiants yoo xamante ni waa njaga ñaaw la te nekk UVS 314 daal moo nekkoon ci liste boobu léegi ci 314 boobu noonu université bu nekk day def pareil mu recensé su ko defee ñu calculer règle de 3 ñu xool ku nekk ak pourcentage bi muy am loolu moo nekkoon suñu subvention. Dernière subvention bi ma jot pour UVS c'était 7000 c'était 1 million ça tourne autour de 1 million le chiffre exact je ne me rappelle plus mais ça tourne autour de 1 million et quelques. Loolu lañu jotoon war ci vraiment fonctionner pour durant toute une année. Le président bu ñëwee ci budget bi ñëw ci avec énormément d'étudiants yoo xam ne ñu jóge njaga ñaaw ñëw ci UVS li ko dara de ça. J'aimerais à savoir que dans cet impact à travers la vie associative, que ce soit à nous, que ce soit à travers votre collectivité. Vous voyez, étudiants de Niagara, l'amical des étudiants, surtout en Niagara, là, il y a des gens qui ont été appelés cette communauté à vous suivre à l'univers. C'est énorme. Ok. Nous, donc, si une mission, c'est élargir. C'est élargir. Madame, limitez vous à l'université, qu'est-ce que c'est? Dañuy jàpp ni ay ndaw lañ ñoo xamante ni donc on doit impérativement impacter notre communauté njaga ñaaw fi nga xamante foofu ñu jóge à chaque fois dañ fay dem di fa déroulé ay activité c'est à dire buñ fa demee aussi donc je me rappelle récemment parce que souvent aussi c'est pas bu nekkul ay initiative amicale bi mu nekk ci yeneen association yoo xamante ni ñun tamit étudiants yi ñoo koy géré ci boppam. Waaw manam tey yenn genre activité yoo xamante ni yow rappelé ko ne lii def ngeen ko bi ngeen nekkee ci bokk kii ba léegi. Ci bokk amical bi pour communauté bi donc on n'a pas fait une activité qui impacte directement la communauté au nom de l'amical mais mën naa wax ni c'était l'année dernière on a organisé benn journée de l'excellence. Benn journée de l'excellence de l'amical des étudiants ressortissants de Njaga Ñaaw à l'université yóbbu ko Njaga Ñaaw. Te boo xoolee on pouvait le faire ici à Bour mais dañ ko yóbbu ba Njaga Ñaaw. Lu waral ñu yóbbu ko Njaga Ñaaw nag c'était vraiment pour pouvoir aussi impacter. Je vais emprunter encore le mot impacter que vous avez dit. Impacter notre communauté, impacter les élèves qui sont dans le lycée. Parce que suñu cible bu ñuy def journée de l'excellence boobu c'était les futurs nouveaux bacheliers. Les élèves qui sont dans les lycées. Parce que benn mbir dafa am. En tout cas man je l'ai expérimentisé et je crois à ça. Man dama jàpp ne UVS boo xoolee UVS a subi beaucoup de préjugés, de mauvaises préjugés même yoo xamante ni en tout cas ça peut ne pas être la réalité. Boo ko xoolee man loolu du ma ñëwee université dund ko expérimentisé ko dama jàpp ne c' est un problème de d'information. Un problème d'information. Ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon wax de mauvais préjugés à l'UVS c'est parce que dañu manque de bonne information. Loolu buñ ko comprendre tamit on a jugé nécessaire parce que à travers l'amical benn bi dafa am chaque année bu bac bi ba jaalee et on fait un retour chez nous l'amical day dem on rencontre la première ou deuxième semaine qui suit les proclamations des résultats du bac on va à la rencontre des nouveaux bacheliers ñuy door am bac amical day dem vraiment rencontre leen wax ak ñoom jox leen ay informations. Donc mettre les en garde des risques qui peuvent courir vraiment vers eux parce que bo nekké nouveau bachelier wara dem université té xamoo fa lu bari donc il y a énormément de risques donc nous on part de mettre en garde de donner l'information leur parler de la vie après le bac. Est-ce que l'information ñu jall na ma parce que dañ ci sét ba légui da ci gis ay élèves yo xamanteni bo leen né tak UVS rek ñom ñu né c'est la vie. Voilà. Est ce que yéen tamit jéego bi nga xamante ne war ngeen ko dox est ce que motal ngeen ko pour jox leen information boo xamante ni di leen mën a rassurer pour que ñoom buy ñëw ñu am problème. Ci loolu la ñuy dox ba léegi boo xoolee sànq wax naa journée de l' excellence léegi dama indiwaat question rencontre nouveau bacheliers pour juste xaw a généraliser parce que dafa am journée de l' excellence dafa am fu mu jógee dafa am contexte.
contexte bi moy on a constaté nous de l'UVS on a de njaganyaw j'ai tiré même parce que c'est pas tous les amicales qui l'ont fait on a vraiment pris conscience que le problème qui se pose c'est un problème d'information té lolu buñu démé njaganyaw def fa journée de l'excellence c'était tellement apprécié té lolu képp ki mako mossa waxal en tant qu'autorité en tant que responsable en tant que ko xam UVS daf ko apprécié. On est allé rencontrer vraiment le lycée du vice responsable, proviseur moins autorisé, le censeur, ils nous ont accompagnés. Dañu ñëk dem wax ak ñom dugg ak sal yépp. On avait ciblé les terminales parce que pour ñun terminal ñom ñoo gëna jégué dugg université. C'est année pour le bout top ci bac bi c'est université. On est allé dugg ci terminal yépp wax ak ñom et xamal leen ni li dal lañu bëgg organiser ci sa jaganyaw. En vue de vous informer, de vous parler de l'UVS, de vous donner les bonnes informations. Ce qui est le plus professeur je me rappelle des professeurs qu'on a trouvés en classe, c'était les mêmes professeurs quand j'étais au lycée. En l'occurrence, M. Ngom philosophie, M. Djiboun, ainsi de suite, M. Loum. Donc, tant de professeurs que j'ai trouvés en salle, au moins, vraiment tout ce qu'on a dit avec les élèves, ils l'ont apprécié, ils ont encouragé leurs élèves de venir assister. Parce que nous, en tant que professeurs, ils ont avoué sur place que vraiment, et c'est quelque chose qu'ils ont tant attendu. Parce qu'il y a des gens qui ont été UVS, mais d'après ce que nous on a expliqué, carrément, la chose c'est pas ça, la chose c'est un problème de communication. Donc ils ont apprécié, on est allé vraiment organiser voilà, ça. Voilà, les présidents au-delà de ce tableau-là, nous savons carrément que vous êtes sentimental, vous êtes en train d'évoquer l'amour en tout cas que vous avez à travers, en tout cas votre communauté, via ce qu'on appelle la classe que vous avez partagée avec vos professeurs. Mais au-delà de l'information que vous donnez à ces nouveaux bacheliers, à l'UVS, au-delà de ces informations, au-delà sur le fait de créer une association avec eux. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire le nouveau bachelier qui vient d'avoir le bac et qui ne maîtrise pas les outils pour faire les orientations et tout ça. Est-ce que vous avez des impacts dans ce sens-là? Vous impactez réellement sur le fait de les aider à faire les orientations? Effectivement, Samba. Je me sens que je suis un outil amical. Donc, je m'étais fixé des objectifs. Je me suis dit que je suis vraiment un problème de subvention. Nous, on a pensé à œuvrer pour New York. Dieu merci. Nous avons fait un peu de choses. Nous avons fait un peu de choses. Une différence. Si vous avez un problème de subvention, nous avons un bon objectif. Ça consistait à, c'est-à-dire à mettre en place un appartement. Cet appartement, nous avons fait une émission. Comprenez? Parce que si nous sommes venus, nous faisons amical, une chambre là. Une chambre. Qu'est-ce que c'est? Un corps actif, il faut faire leurs travaux grisés, il faut faire des exercices. Si nous sommes venus, on s'est dit, tiens, une chambre n'arrangera plus les étudiants de Dagagnan. On va se fixer comme objectif d'avoir un appartement. C'est ce qu'on a comme objectif. Et avant de nous avoir une année, on a eu. Si on a eu le WSO, donc, on était dit qu'on va aussi organiser des activités pédagogiques. Avec la promotion 8, voilà, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, 20 ou 21. Nous sommes venus à Fof, on a organisé une journée de l'excellence, nous avons lycée de Ndiaganyaw, pour vraiment sensibiliser Ndiaganyaw, les lycéens, les parents d'élèves, les professeurs, comment exactement c'est ça qui se passe à l'UVS, contrairement à ce que les rumeurs disent. Vous voyez, et nous avons non, on assiste les étudiants dans le cadre pédagogique. Salle où nous avons fait l'émission, c'est-à-dire que nous avons l'appartement, on l'a réparti en différentes vraiment locaux, voilà, sous locaux dans l'appartement. Salle s'est réservée uniquement aux activités pédagogiques. Salle où nous avons fait c'est réservé uniquement aux activités pédagogiques. Bon, on l'a réaménagé, il y a tout. Il y a les tables bancs, il y a les sièges, voilà, il y a l'imprimante, il y a le wifi. Donc, bon, les étudiants ont gagné. Puis, nous avons fait une activité
travaux grisés, révisions. Mais l'AMICA aussi organise des activités pour leur aider. C'est-à-dire, souvent, nous avons une commission pédagogique de l'AMICA. Donc, cette commission pédagogique, heureusement, le président est là, juste à côté, salue que je salue de passage. Donc, ils mettent en place des initiatives. Voilà, ils collaborent avec des anciens étudiants des différentes filières. L'exemple de promotion qui dit qu'il y a des qu'est-ce que vous préparez pour eux? L'anglais est préparé avec des orientations, mais nous sommes sans arrêt, comme entre fans, comme une fan de l'espace. Comme les outils informatiques qui nous ont fait, nous nous privons. Comme nous avons une orientation, nous sommes dans nos états. Commission pédagogique, parce que nous avons dit que nous avons fait une commission pédagogique. C'est leur rôle en fait, les initiatives qu'ils mettent, c'est de nous dire on fait appel aux anciens étudiants. Ils maîtrisent les cours dans leur filière, ils maîtrisent l'outil informatique. On organise des cours dans cette même salle pour les filières, pour chaque filière. Ces cours-là, c'est souvent des cours de remédiation selon la filière. Souvent, ce sont des cours d'informatique, bureautique, ainsi de suite. Voilà, sur les logiciels Word, Excel, ainsi de suite. On a fait énormément de cours ici dans cette salle-là. Donc, c'est ce qu'on fait. Maintenant, pour les nouveaux bacheliers, on commence à chaque fois par la rencontre au village. Ils seront orientés dans différentes universités. À l'UVS, comme à l'UQAD, comme à Saint-Louis, comme à Bambay. Nous aussi, on va encore les recenser. En tant qu'amical, nous échangeons avec nous. Mais aussi on programme encore des cours d'initiative à l'informatique pour eux. On programme des cours de remédiation pour ces nouveaux bacheliers. C'est-à-dire genre où encadrement là, donc on y a un petit sembop, nous intégrer au TIVS, menel sembop. Donc non, le nous fonctionner avec vraiment. Merci. Mais c'est quelque chose normalement qui doit être dit cadre local bien négni. Nous pouvons faire les quelques doutes. Madame dit qu'il y a un aussi. N'y a-t-il pas une comme participation? Fait qu'elle gagne pour toi. Voilà, fait quelque chose pour l'examen que c'est. N'y a-t-il pas de participation? D'accord. C'est vrai parce que rien n'est mieux participer. Pour vraiment loger, il y a des conditions qui sont mises en place. Nous, on a tout réglementé. Vraiment, on a essayé d'être un peu professionnel pour éviter des conflits. Des conflits dans la vie. Il y a des textes qui régissent notre amical. On a, pour votre information, amené un récépissé qui est reconnu par le ministre de l'Intérieur. Notre amical dispose d'un récépissé. Ça, c'est le bureau actuel qui l'a géré. Donc, c'est désormais reconnu administrativement. Donc, pour nous éviter les conflits, on a mis en place des textes. Et les textes ont prévu que Koufi logé, tu t'inscris avec. Parce qu'il y a les logements temporaires et les logements définitifs. Voilà, comment l'expliquer les voilà. Donc, il y a un Voilà, donc il y a les logements temporaires et définitifs. Quand tu es au taxi, ils ont prévu pour des logements définitifs, tu t'inscris avec 10 000 francs CFA. Maintenant, les 10 000, c'est l'inscription pour adhérer, pour garder ta place. La mensualité, c'est 15 000 francs. Non, nous fonctionnons pour les logements définitifs. Les logements temporaires, c'est en fonction des périodes. Nous sommes venus, on est une semaine là sur la DEF, deux semaines là sur la DEF, trois semaines là sur la DEF, voilà, un mois là sur la DEF. Après ça, on fixe ce qu'on va fixer pour sa participation. Donc, non, nous fonctionnons. Mais, si nous avons une contribution de 15 000 étudiants, il y a un fort. Parce que si nous avons une contribution de 15 000 étudiants, peut-être que les étudiants, ce qu'ils donnent, suffit largement pour prendre en charge les locaux. Alors, c'est le contraire. Parce que si il y a d'autres frais. Bien sûr. Actuellement, si fan jour donc on est en déficit budgétaire. Peut-être je vais revenir. Local, on paye ça à 100 000. 100 000 francs. 100 000 par mois. Des déficits on a 85 budget. C'est un problème entre nous étudiants. Je peux dire ça. Parce que la mairie, elle a fait le mouvement d'œuf,
la subvention, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à chaque fois, vous mérite. Entre amicales, parce que il faut qu'il y ait un consensus sur une modalité de partage. Sur le plan national, vous êtes combien d'amicales? Pratiquement 7 selon les universités. Inscrits à travers différentes universités. Il y a un conflit. Il y a un conflit. Tu dois prendre en charge tes étudiants. Donc, tu vas dire mon rôle de telle sorte que tu as mis ce que tu as fait ou ce que ça sera de l'avantage ou bien de l'avantage de votre amical. Peut-être que ça, c'est des choses qui sont peut-être indispensables dans la vie des hommes. Donc, quand tu as des responsabilités, tu vas dire aussi, ça côté vraiment ce que tu as fait quelque chose. Peut-être ni les autres amicales, ni ce qui est proposé, leurs enrasent, les autres, ce qui est proposé ne leurs enrasent pas. Il nous faut entre dirigeants, entre amical mais en bien consensus d'or à mon partage, mais tant qu'à mon consensus mon union de fagon partage donc l'or au monde et les présidents qui sont allés et bien étant l'un de ces machines à bien courant de l'homme c'est né dans les buffets effectivement t'as des gueules faites t'as l'air de faire le cas pour le dernier à faire le cas mais que à même à l'heure bien nous devons mom la lo xam nga sank wax ni 15 000 la ñaan defay bo jappé 15 000 ñepp fogg nañu 15 000 sans financement alors que au delà du logement il y a d'autres vraiment aspects à prendre en compte. Il y a le wifi, il y a la facture de l'eau, il y a l'électricité, il y a la location, il y a des dépenses lek bi mo gëna sax dama ñu gis na ci ben digeen bu lek ci walu té lolu makoy tonton nanto loy dogu da mel ko solo ko lay dogu xoluma dama fa dal mo gëna ser té j'en profiterai peut-être que cette émission nous donnera, sera l'occasion pour nous vraiment de nous faire entendre au niveau de certaines bonnes volontés. Parce que l'équipe nous connaissait. Actuellement, tout le monde est conscient qu'il y a, il y a vraiment l'inflation sur les prix des denrées alimentaires, sur tous les plans. Absolument. Donc, il faut cher de trop. Et actuellement, on a l'impression que si nous on confond, on énorme. Je ne me casse pas parce que je veux être aidé. Je veux être aidé pour les étudiants de Diaganyaw. Man buma ñaan dimbal, duma ñaan dimbal en propre nom. C'est pas besoin de ça. Duma fekk nit ki wax ko dimbalema man, ma famille, je demande ça pour l'intérêt général, pour l'intérêt des étudiants. Bon, autorité bu jamm ni man peut-être lima koy wax dama koy def pour man, il se trompe. Ça peut être aussi pour sa sœur, pour son frère, pour sa nièce, pour voilà donc parce que nous avons beaucoup de gens. Mais notre autorité, nous avons une question. Vraiment, un diable. Mais est-ce que vous avez sécurisé les démarches? Au-delà de vos communes, quels sont vos partenaires? Il y en a un. Peut-être que vous avez un diable, mais vous avez un diable. La mairie de Diaganyaw, je le remercie de passage parce que, définitivement, vraiment, nous avons un diable. Avant maire tamit di nek maire ñeu na rang ñu visite fi elle est venue mom moñu jox wifi bi ni mom moñu ko jox diko fay par mois la salle de passage mos nañ jox aussi denrées alimentaires donc en dehors de la mairie donc je pense que mos nañu am ben partenaire bu tuddu won Pape Dick Diam Diop c'est un cadre voilà de Diaganyaw c'est un colonel en douane. Vraiment mom mu ñu doon jappalé il faisait une contribution financière chaque fin du mois mu jox ñuko ñu duggal ko ci fayu appartement bi vraiment lool def nako surtout période covid bi la ko def fekk étudiant yi ñibi nañ da wara ñëwaat té on était dans l'obligation de maintenir l'appartement parce que xam nañ étudiant yi ñëwaat donc on ne pouvait pas laisser l'appartement té buñu démé seen dëkk yi aussi dañu wañ dañ leen wañaloon fay bi parce que xam nañ ni vraiment village mo démé pour on fay 15000 dañ la don laaj 5000 merci beaucoup ci moment bobu lañu colonel don jappelé vraiment financièrement par mois merci parce que c'est bien légui l'administration dernier mois parce que ñu tagato waxtu bi ñu ngi croiser fa dal en tout cas tan ngay tagato bon en tout cas je vais encore tourner mon dernier mot vers les autorités et les cadres. Voilà, nous appelons vraiment les étudiants. Je ne parle plus pour les étudiants de Diaganyaw, moi je parle maintenant dans le cadre général. Parce que je sais que nous sommes tous les étudiants, c'est ce que nous sommes tous. Je sais que
vraiment nous mettez fi non la mettez ci yenen amical donc motax aussi pour mon dernier mot je parle ça dans le cadre général autorité ak cadre ñu mënte nek nañ gëstu étudiant ni ñen diable ñu xamni ce sont l'avenir vraiment de demain. Voilà, ce sont les futurs cadres de ce pays. De fait aussi, qu'ils restent ouverts, accessibles. Moi, ça, j'aime toujours vraiment inviter aux autres personnes. Parce que tu es un président de Benno. Tu es 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 président de Benno. Bon, de toute façon, vous avez parfaitement raison. En plus du président de l'ARUVS, je suis président du bureau de l'espace de Bourg, l'ENO de Bourg, hein, actuellement en exercice de mon deuxième mandat. J'ai déjà fait un mandat. Mais là, c'est beaucoup mieux. Depuis 2019, mon équipe amicale, C'est des tâches que vraiment les étudiants me confient. Donc moi, je les remercie pour la confiance. Parce que s'ils n'avaient pas confiance en moi, donc ils ne connaissent pas. Donc c'est ça. Peut-être qu'ils ont confiance que je peux aussi être à la hauteur de leurs attentes. Une fin qui est à mettre, c'est l'heure de le jour au lendemain. Didier m'a d'appeler Mohamed Tani. Moi, on est qui est très étudiant. Et tant que la promotion 10 millions, là, il y a une fois à l'heure maintenant. Promotion 10 millions. Donc, nous sommes avec impatience parce que pratiquement donc disons que ils ne sont pas encore là xamaguñu qui sera orienté ñom defaguñu sax cette année les choses sont tellement longues defaguñu sax inscription dans des comptes campusien la plateforme campusien n'est pas encore ouverte faut ñu def lolu orientation yi génné ñu door leen orienter université ñu mëna jaakarlo ak ñom mais ceux qui seront là vraiment merci beaucoup contane ñu merci beaucoup également parce que ñu mëna lu sérane fi ci UBS News Bourg, donc ñu di jajeufal di rafetlu également sen téway ñu top ci émission bi yépp di jajeufal ki nga xamanté mo lay suñu invité nek monsieur Malick Diop nek le président amical des étudiants associations de Jalé Niaw fi nga xamanté mo lay UBS di jajeufal également sama assistant nga xamanté mo di Samba Diop top ci waxtan bi donc ñu jajeufal également bokk itam yi nga xamanté ñu top yépp dina sédat di leen jox di dajé bénn yoon inshallah ci bénn émission jërëjëf.